Nous sommes dans Verdun, une circonscription de l'ouest de Montréal. C'est une journée de septembre pluvieuse. La candidate libérale de la circonscription se paie quand même un bain de foule lors d'un lancement de livres dans une librairie de quartier. De belles rencontres, puis une bonne campagne électorale malgré tout. Mais je retiens ça. Je retiens ça. On va tenter d'en parler plus. On s'en va à 16-20. Oui. 880 candidates et candidats vont, comme elle, à la rencontre des électeurs partout sur cet immense territoire. Ils visitent des commerces, des usines ou parcourent les rues de leur circonscription. Un véritable marathon. Bonjour, monsieur. Ça va bien? Ben oui, Stéphane Lachance, Parti conservateur. Ben, ah oui, bon, c'est une bonne nouvelle, ça, monsieur vote pas. Vous allez aller voter, là. Ah ouais, c'est sûr. Super. J'ai-tu des chances avec vous, moi? Pas probable. Fort probable? Oui. Fort probable que j'ai des chances ou fort probable que vous votiez pour moi? Fort probable que je vote pour vous. Ah! Ben, c'est bon. 6,261,105 personnes sont appelées aux urnes le 3 octobre dans la deuxième province la plus populeuse du pays. Pour la première fois, 5 partis présentent des candidats dans toutes les circonscriptions, soit 125, dans l'espoir de former la 43e législation. Au déclenchement des élections, la Coalition Avenir Québec, la CAQ, détenait 76 sièges, soit la majorité. L'opposition officielle était formée par le Parti libéral du Québec avec 27 députés. Suivait Québec solidaire avec 10 députés et le Parti québécois qui détenait 7 sièges. 4 députés indépendants siégeaient à l'Assemblée nationale et une élue, après avoir été exclue du caucus de la CAQ, s'identifiait au Parti conservateur du Québec. 63 sièges permettent d'obtenir la majorité. 2 jours avant le déclenchement de la campagne électorale, le site de projection électorale non partisan, Québec 125, prévoyait que la CAQ remporterait 97 sièges, ce qui, si c'était le cas, ne laisserait que bien peu pour les autres partis. Arriveront-ils tous à tirer leur épingle du jeu? Rien n'est moins sûr. Ça va peut-être pas sonner le glas des partis, mais ça risque, et risque fort, d'étirer les lactiques démocratiques très loin. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver, si on regarde les derniers sondages, là, si on pourrait se retrouver avec un parti qui n'a pas 40 % du vote puis qui a 80 % des sièges. Ça, c'est un problème. C'est pas les Olympiques, il n'y a pas de médaille d'argent dans une élection. Alors, si vous gagnez, si vous arrivez deuxième, ça ne vous donne rien. Et le grand danger pour le Parti conservateur et pour le Parti québécois jusqu'à un certain point, c'est de se retrouver avec une grande série de deuxième places, ce qui ne donne rien. Les partis risquent de se livrer une bataille pour la place très convoitée d'opposition officielle. Qui réussira? Les paris sont ouverts. Québec solidaire, on a fait nos preuves avec 10 députés seulement. On dirait qu'on était l'opposition officielle. Mais là, ça serait le fun qu'on puisse être cette opposition. Est-ce que des chefs devront partir? Je pense que... D'abord, il y a des partis comme le Parti libéral qui n'endurent pas tellement longtemps chez un chef qui a perdu. Alors, ça, c'est une chose. Il faudra voir aussi si M. Legault déçoit. Il va peut-être gagner 90 comtés, mais avec un score pas très bon. Tout le monde est en train de dire qu'il ne fait pas une si belle campagne que ça. En fait, il ne fait pas une très bonne campagne. Lui, il va dire assez tôt, c'est mon dernier mandat, je vais finir après, puis je vais m'en aller après ça. Il faudra voir ce qui arrive au Parti conservateur. Québec solidaire a monté il y a quand même quelques années, mais là, en ce moment, ça stagne dans les sondages. On ne sait pas même s'ils vont être capables de conserver autant de sièges qu'ils ont en ce moment. Je pense que ce qui est surprenant, c'est la montée du Parti conservateur du Québec, mais c'est lié à la situation de la pandémie et aussi quand même à la personnalité d'Éric Duhaime, qui est connu, surtout dans la région de Québec. Et c'est là où les conservateurs font très bien dans les sondages, mais sont toujours derrière la CAQ, même dans la région, la grande région de Québec. Aux dernières élections, il n'avait pas fait 2 %. Là, ils vont faire au moins 10, si c'est pas 15, si c'est pas plus. Alors, ce parti-là ne disparaîtra pas. Il va peut-être avoir des années de chemin parce qu'il n'y aura personne à l'Assemblée nationale. Peut-être, on ne sait pas. Mais je pense que quand un parti fait 10, 15, 17 % quelque part, il y a des assises maintenant. Il y a un endroit où il peut continuer à bâtir. Alors, le PQ va avoir au moins gagné un comté, celui de Pascal Bérubé, c'est écrit dans le ciel. Mais pour la survie du parti, c'est quand même pas l'idéal. Là, le PQ fait beaucoup campagne en disant aux gens qui... Il y a quand même 30 % de gens qui se disent souverainistes dans les sondages. Vous ne voulez pas que le PQ meure. Revenez à la maison. Venez nous aider à garder le parti en vie au moins. On verra si ça fonctionne.
des libéraux, j'en croise par dizaines à chaque jour. Et quand on se parle entre candidats, là, puis on a des rencontres, comme vous le dites, avec les candidats, les gens sur le terrain nous disent, savez-vous quoi? Nous, là, les libéraux, là, faut pas les sous-estimer. Et souvent, on est sous-estimé, puis c'est pour ça qu'on surprend au fil d'arrivée. Nous avons rencontré la candidate et députée sortante dans un café rue Wellington, rue qualifiée de plus cool au monde selon le média Time Out en août dernier. Ici, comme dans bien d'autres commerces, on est désespérément à la recherche de personnel. Et cette pénurie de main-d'œuvre-là, là, ben, premier ministre du Québec, François Legault, dit encore que c'est une Moses de bonne affaire. Je m'excuse, là, mais allez voir le propriétaire, là, il s'arrache les cheveux qui lui restent sur la tête actuellement. Il est vraiment pas content de ça. Puis qu'est-ce que ça apporte, ça? Bien, moins de services. Moins de services dans nos CHSLD, dans nos hôpitaux, dans nos écoles, dans tous les secteurs, dans nos cafés. On n'a plus de main-d'œuvre. Alors, les gens me parlent de la diminution de services. Cette pénurie de main-d'œuvre est à nouveau un des sujets de l'heure. C'est qu'elle touche tout le monde dans tous les secteurs de l'économie. Ce qu'on attend du milieu politique, c'est d'abord une écoute. Pénurie de main-d'œuvre veut dire tout de suite des besoins qu'on doit chercher à combler par du travailleur étranger temporaire. Et là, il faut améliorer les processus. Il faut lancer un signal que l'immigration va être au rendez-vous. Il faut monter les seuils. Il faut travailler avec les travailleurs expérimentés qu'on veut ramener. Et on entend des solutions sur les impôts, les crédits d'impôt, les façons de faire en sorte que ce soit moins coûteux pour un travailleur expérimenté de continuer de travailler. C'est positif. Maintenant, c'est tard. Ça fait des mois qu'on le réclame. Ça fait des années qu'on le voit venir. Il va falloir aussi amener des nouveaux arrivants dans la région de Québec. On n'a pas notre juste part de l'immigration québécoise ici dans la grande région de Québec, y compris Lévis. Et donc, ça aussi, ça fait partie du défi d'amener des nouveaux arrivants et de les garder, Catherine. Il faut les garder. Qu'est-ce qui passe sous le nez des candidats dont à peu près personne ne parle? La crise économique. Oui, tout le monde a un petit programme pour aider les gens contre l'inflation, mais déjà l'inflation est rendue plus importante que ce ne l'était au début de la campagne. Et tout le monde comprend que là, il y a des prix qui vont augmenter énormément, que les prix, entre autres, de l'énergie cet hiver risquent d'être très élevés. Alors ça, on parle beaucoup d'autres choses, mais on parle pas beaucoup des besoins de base, d'énergie. Tout le monde reconnaît qu'il y a une crise du logement, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui ont une solution pour la crise du logement. Il y en a qui garochent de l'argent, mais ça ne donne pas toujours des résultats, ça. En réduisant les impôts, souvent, c'est les gens avec les plus hauts salaires qui vont en bénéficier, qui vont faire des économies, pas les gens au bas de l'échelle qui ont vraiment besoin d'aide. Et ce qui va arriver, c'est qu'on tire dans le pied parce qu'on réduit les revenus de l'État. Puis ça, on l'a déjà vu, quand on réduit les revenus de l'État, bien, c'est quoi le choix? Soit on s'endette. Puis là, souvent les gouvernements néolibéraux comme la CAQ et d'autres nous ont habitués. L'endettement, ça, c'est impossible. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On coupe. Payer. Oui, puis on finit par payer. Puis on coupe. On coupe dans les services. Et c'est là qu'on a des. On tourne en rond, puis on a des services publics qui sont pas forts alors qu'on en a besoin. Vous voulez augmenter la dette de 40 % en investissant 74 milliards? Bien, moi, j'ai l'impression là, que c'est un peu comme de la magie. C'est un peu comme si vous étiez au pays des merveilles, M. Nadeau-Dubois. Vous devriez ranger les décorations d'Halloween un petit peu, là. Arrêtez de faire peur aux gens. Vous devriez inspirer les Québécois, Québécoises, proposer des solutions. Puis dans les dernières semaines, ce que vous avez fait surtout, là, c'est désinformer les Québécois sur le plan de Québec solidaire. Dans les grandes villes du Québec particulièrement, l'autre pénurie, la pénurie de logements, commence à ressembler à une véritable crise et chaque parti y va de sa solution. Pour Québec solidaire, c'est un dossier prioritaire. Donc, si on veut réduire la pauvreté, si on veut aider les gens face à l'augmentation du coût de la vie, il faut qu'il y ait plus de logements sociaux, il faut réduire la spéculation, taxer la spéculation, il faut interdire les évictions, les rénovictions de façon, en tout cas, temporaire jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment de logements puis qu'on ne soit plus en pénurie. Le dossier dont tout le monde parle également, c'est encore une fois dans cette élection-ci, le troisième lien. Le chef de la Coalition Avenir Québec fait face à beaucoup de critiques là-dessus, notamment sur les études de faisabilité du projet. Après avoir affirmé qu'elle n'était pas prête, puis qu'elle n'était pas à jour, puis qu'elle ne devait pas être rendue publique, il a finalement avoué qu'en fait, elle n'existait tout simplement pas.
Est-ce que vous êtes, malgré les déclarations de François Legault sur les études, est-ce que vous êtes toujours un ardent défenseur? Plus que jamais. Plus que jamais. Je sors d'une visite d'usine, là, à l'instant, là. Et les deux dernières personnes à qui j'ai parlé, avant de quitter l'usine, m'ont dit « c'est l'enfer ». C'est l'enfer. On est dans le trafic le matin, on est dans le trafic l'après-midi, on est toujours dans le trafic. Et j'ai dit « dans les deux sens », elle dit « dans les deux sens ». Alors, il y a un besoin. Bien, l'ingénieur en moi qui a vu beaucoup de plans et devis sait que la première des affaires à faire, c'est de faire des plans, des devis, un plan de match réellement. Puis c'est pas ce qu'on voit avec la CAQ, mais pas... Monsieur Legault, c'est qui fait l'étude? Puis combien qu'elle coûte, cette étude-là dont vous parlez? Monsieur, à ma question. Il y a une étude qui est faite actuellement. Je ne sais pas combien exactement. OK, vous savez pas. Fait que là, est-ce que c'est comme il y a quatre ans quand vous avez dit que vous aviez promis un pont, puis aujourd'hui, vous ne savez plus, vous n'en souvenez plus non plus? S'il a pour fonction de relier deux villes, Québec et Lévis, ce projet de tunnel semble plutôt, pour le moment, ériger des barrières entre Québec et Montréal. À tel point qu'on a l'impression de voir renaître une rivalité qui, cette fois, n'a rien à voir avec le hockey. Il y a une frustration palpable dans la population de la grande région de Québec. Les gens de la grande région de Québec ont parfois l'impression que certains commentateurs à Montréal minimisent la situation que l'on vit. On a parfois l'impression qu'ils nous prennent de haut et qu'ils décident pour nous que... Finalement, nous autres, c'est pas si pire que ça. C'est comme si parfois, on nous disait, « Vous savez, nous autres, à Montréal, là, c'est vraiment l'enfer. Mais vous autres, à Québec, honnêtement, c'est un petit problème, là. Ça justifie pas, là, un investissement comme celui-là. » Bon, évidemment, au Parti québécois, on est contre ce projet-là parce que c'est un projet qui, avant tout, va favoriser l'étalement urbain puis qui va amener davantage d'émissions de gaz à effet de serre. On entendait M. Drainville quelques semaines qui disait « Lâchez-moi avec les GES ». Nous, la position qu'on a au Parti québécois, c'est « Lâchez-nous avec les propositions qui vont empirer la crise climatique ». Et le troisième lien, c'est exactement ça que ça va faire. Fait que c'est pour ça que nous, on a un appui ferme au projet de tramway. Puis on a aussi une proposition de premier lien sous-fluvial qui serait destiné uniquement au transport collectif. Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est avoir un axe nord-sud pour un train léger qui irait du nord de la banlieue de Québec jusqu'au sud de la banlieue de Lévis, qui viendrait s'arrimer là, au projet de tramway. Et Montréal, pendant ce temps, attend toujours son réseau express métropolitain dans l'est de la ville. Donc là, moi, je m'attends à ce que les partis politiques, les politiciens soient bien au courant des enjeux de Montréal. Et puis, ultimement, c'est le développement économique des terrains de l'est de l'île qui va être fondamental. Ce sont des très grands terrains disponibles, mais contaminés. Si on amène un REM de l'est, si on les décontamine, on aura de l'investissement très stratégique pour l'économie de Montréal. Souvent, les Montréalais ont l'impression d'être les laissés pour compte, que les élus à Québec sont plus ou moins conscients de ces problèmes. Je lis tous les programmes politiques de chacun des partis et je cherche le mot Montréal ou métropole et je le vois très rarement. Et quand je le vois, on évoque souvent les difficultés au niveau de la sécurité à Montréal. Le président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain met en garde ceux et celles qui formeront le prochain gouvernement. Montréal, dans l'ensemble, va bien, à part la fragilisation du centre-ville, mais il ne faut pas prendre le risque que Montréal cesse d'être une locomotive. On a trop longtemps connu un Montréal qui ne tirait pas l'économie du Québec. Présentement, l'économie, elle est forte, mais il ne faut pas jouer avec cette recette. Ça fonctionne bien. Le troisième lien irrite également la partie de la population plus préoccupée par les questions environnementales. On sent sur ce front que la CAQ adapte son discours. Le parti est loin, cependant, de donner l'impression de virer au vert. Un tunnel de centre-ville à centre-ville avec des transports en commun, efficace, rapide, confortable. Et moi, je pense que si on a des bons transports en commun pendant les heures de pointe le matin et le soir, au retour, je pense qu'il y a des gens qui vont laisser leur voiture à la maison. M. Legault arrive la semaine dernière à l'Hôtel de Ville de Montréal, se fait présenter des demandes des villes en disant « Nous, on a des infrastructures qui ne marcheront plus ». L'après-midi même, il y a un déluge, il est tombé plus de pluie à Montréal dans un après-midi que normalement dans le mois de septembre. Là, il va à l'UMQ deux jours après et dit « on pourrait peut-être ouvrir la porte ». C'est pas ça, avoir un programme d'environnement. Là. À court terme, je dis, on a l'obligation de donner aux gens des options. Si on taxe l'achat de véhicules à essence l'an prochain, mais que les gens n'ont pas plus de transport collectif et ils n'ont pas plus de voitures électriques en vente,
bien, on appauvrit les gens, puis c'est pas très productif sur le plan de l'envie de voter en fonction de l'environnement. C'est l'élection vraisemblablement de la dernière chance pour la crise climatique. Est-ce que les candidats en sont, ou les chefs, disons, en sont parfaitement conscients? Est-ce qu'ils répondent à ça? Il y a deux partis qui ont une plateforme crédible sur les changements climatiques. Ces deux petits partis, c'est Québec solidaire et le PQ. À l'autre extrême, on a dit ça depuis le début de son mandat, que l'environnement était l'angle mort du gouvernement de la CAQ. C'est plus que jamais l'angle mort du gouvernement de la CAQ. On propose de doubler les transports collectifs, contraindre les fabricants et les concessionnaires à vendre des véhicules électriques avec des cibles similaires à ce qui se fait en Europe, en Californie. Et on veut une passe climat, 365 $ par année, transport illimité à travers le Québec. L'autre fracture sociale au Québec, c'est celle de la langue. Une bataille qui revient dans l'actualité dans la foulée de la loi 96 sur la langue officielle et commune, adoptée au printemps. Elle fait polémique. Elle est jugée beaucoup trop restrictive par les communautés anglophones parce qu'elle limite l'accès aux services et aux cégeps en anglais et par de nombreux nouveaux arrivants à qui on donnera 6 mois. Pour apprendre le français. On a pensé que toutes ces batailles sont en arrière de nous. Il y avait ce que nous avons pensé, une paix linguistique. La communauté anglophone a accepté à vivre avec la loi 101 et on a pensé que ça va bien et on est chez nous et on a accepté nous comme nous sommes. Et maintenant, tout est mis en question et ça nous inquiète. Et tous les experts qui ont été consultés sur la question ont été fermes en disant que la loi 96 ne suffira pas à freiner le déclin du français au Québec dans le contexte où on est évidemment en 2% en Amérique du Nord. Le Parti libéral, l'allié traditionnel des anglophones, notamment à Montréal, est accusé de tergiverser dans ce dossier. On a fait un certain mea culpa sur certains dossiers. Mais je continue à rappeler une chose à mes anglophones. Nous avons voté et j'ai voté, je me suis levée à l'Assemblée nationale pour voter contre le projet de loi 96 au final. Nous sommes au centre-ville de Montréal. Ici, la pandémie a laissé des traces visibles. Les tours à bureaux sont désertes, le marché immobilier en souffre, les commerces aussi. La chef du Parti libéral, Dominique Anglade, prononce un discours devant la Chambre de commerce. Elle exposera la plateforme de son parti sur l'économie, la crise climatique, l'immigration. L'avenir du Québec, c'est d'être capable de tendre la main puis de comprendre que l'autre en face de nous, là, il va venir contribuer puis il va venir avec nous, nous amener encore plus loin. Mais il y a deux sujets dont elle ne parlera à peu près pas. Les enjeux montréalais et la colère des communautés anglophones. Vous êtes à Montréal, cette communauté très importante. Devant la Chambre de commerce, vous n'avez pas prononcé un mot sur ces communautés. Pourquoi? Les communautés anglophones, l'expression anglophone, sont extrêmement importantes, en effet. Et tout cet enjeu-là de la langue, il est fondamental puis il divise les Québécois. C'est un message que j'ai lancé aujourd'hui de manière très claire. C'est qu'il faut arrêter les divisions. Et les divisions, c'est justement à ça que je faisais référence. Diviser entre anglophones et francophones, diviser entre immigrants et non-immigrants. Cette perpétuelle division de nos communautés nous mène à rien, nous mène dans un mur. La communauté anglophone ne se s'est pas sentie écoutée lors du projet de loi 98 et s'est pas sentie écoutée non plus par le Parti libéral qui était son véhicule politique traditionnel. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont voter pour les petits partis anglophones? Je pense que l'exemple de l'Equality Party, il y a plus de 20 ans, n'a pas été très concluant pour la communauté anglophone. Je pense qu'ils vont rester au Parti libéral. Mais après l'élection, il risque d'y avoir dans la communauté anglophone des mouvements qui vont dire « Là, il faut qu'on arrête d'être passif au plan électoral, il faut qu'on arrête d'être passif au plan politique, il faut qu'on s'implique davantage là-dedans. » Certainement que le Parti est dans une situation très difficile et peut-être que les choses se sont améliorées un peu durant la campagne. Parce qu'ils ont fait une assez bonne campagne, mais ça reste une situation difficile et c'est lié au déclin de ce clivage-là, justement, entre fédéralisme et souverainisme, justement. Qui est lié au déclin de la souveraineté comme option politique centrale dans le débat politique québécois. Une élection, c'est l'heure des choix. On peut choisir de demeurer locataire et d'être pris dans des relations contre-productives qui mènent à un échec répété. C'est ça l'avenir que François Legault, la CAQ et le Canada nous réservent. Où on peut changer de registre
et dire « on choisit un projet de société dans le cadre duquel nous serons une société démocratique normale ». On n'est pas obligé d'être les Tanguis du Canada. On peut choisir de déménager, de s'assumer pleinement en étant propriétaire. Bien, je pense que c'est un débat qui est réglé au Québec. Personnellement, je pense que les gens sont ailleurs. On va donner quand même le crédit aux gens du Parti québécois d'être cette fois-ci clairs, parce que ça n'a pas toujours été le cas. Donc là, ils sont clairs dans leur demande. Par contre, je ne peux pas donner le même commentaire à QS, parce que QS, dans leur programme, disent aussi qu'à dans le cadre de leur élection, que dans la première année, ils vont aller en référendum sur cette question-là. Mais moi, ce que j'entends, les gens ne me parlent pas de ça en tant que tel au niveau, encore, la question référendaire, à savoir si on doit sortir au nom du Canada. Je ne pense plus que ça fait partie des priorités. La priorité, c'est l'économie, disent les conservateurs, les services à la population. Le parti pense faire des gains ici, dans la région de Québec et en Beauce également, peut-être même à Montréal, qui est pourtant loin d'être conservatrice. Je pense que pour la première fois dans une élection, les citoyens de Montréal, surtout au niveau des secteurs anglophones, ont une alternative. Dans le passé, il n'y avait que le Parti libéral qui était l'alternative. Cette fois-ci, on a d'excellents candidats anglophones qui sont dans la région de Montréal. Les troupes d'Éric Duhaime sont optimistes. Le nombre de membres au Parti conservateur a tellement augmenté récemment que les organisateurs ne fournissent plus à imprimer des cartes de membres. Les gens sont vraiment très engagés. Vous avez probablement entendu parler de notre rassemblement vendredi dernier au Centre Vidéotron, où on a attiré plus de 3500 personnes. C'est des choses qui... Et les gens qui étaient là, c'est des gens qui sont vraiment motivés. Ils misent notamment sur un certain cynisme ambiant chez les électeurs qu'ils croisent. Bien, les gens trouvent qu'ils n'en ont pas pour leur argent. Ils payent une fortune en taxes et impôts, puis ils ne reçoivent pas des services. Alors, en 2018, je veux dire, le temps d'attente dans les hôpitaux était de 10 heures. Il est rendu à 18 heures. Au niveau des écoles, on a plusieurs... Dans mon comté à moi, il y a plusieurs écoles qui sont classées, puis c'est suite à un reportage de Radio-Canada. Il y a deux enfants sur trois ont une chance d'être dans une école qui est classée D et E. Alors, qu'est-ce qui s'est fait dans les quatre dernières années? On accuse souvent les conservateurs même d'alimenter ce cynisme. Même si la CAQ trône à 38-40% en faveur de la CAQ, si vous prenez le pourcentage total, il y a plus que la moitié du Québec qui est contre le gouvernement. Est-ce que vous attirez dans vos rangs des extrémistes, des gens qui sont de plusieurs allégeances, mais disons complotistes? Mm-hmm. Écoutez, on n'a pas le contrôle là-dessus. Je vous dirais tout simplement, c'est pas le type de clientèle nécessairement qu'on recherche, mais peut-être que ces gens-là, lorsqu'ils regardent, l'échantillonnage qui sont devant eux, ce qui les rejoint le plus, ça peut correspondre à ce qu'on offre au niveau de notre plan en tant que tel, puis nos enjeux. La réponse à ça, moi, je pense, c'est d'arriver avec une attitude modérée. Les Québécois sont pas des radicaux. Les Québécois, c'est des gens modérés qui recherchent l'équilibre. Et ce qu'on leur offre à la CAQ, c'est un équilibre entre notamment le développement économique et le développement durable. Et en cette période de hausse fulgurante du coût de la vie, de garder le cap sur le centre. La CAQ n'a pas adopté de coupures budgétaires, puis la pandémie, en plus, ça a poussé la CAQ à dépenser davantage. En même temps, il y a des promesses de baisse d'impôts, mais ça reste plus modéré que ce que les conservateurs ont offert. Les conservateurs qui sont maintenant bien placés dans les sondages, dans certains sondages en deuxième place, et évidemment Québec solidaire qui est à gauche. Donc, la CAQ occupe le centre de l'arène politique. Je trouve que la proposition qu'on met sur la table présentement, je trouve que c'est une position qui est raisonnable, qui est équilibrée. Pourquoi? Parce que les gens payent de plus en plus cher. Qu'est-ce que le gouvernement leur dit? Il leur dit, écoutez, je vais vous aider. Je vais vous envoyer un chèque d'ici Noël, 400 à 600 piastres. Les personnes de 70 ans et plus qui n'ont pas des grosses pensions souvent, on rajoute un 2000 $ selon les revenus. Bon, on plafonne la hausse des tarifs à 3. Fait qu'on est, moi, je trouve qu'on prend acte du fait que les gens ont besoin d'aide, puis notre travail comme gouvernement, c'est de les aider. Et par ailleurs, on continue quand même à mettre 3 milliards par année sur la dette pour s'assurer justement qu'on ne laisse pas une dette trop importante aux générations à venir. Mais au bout du compte, on ne touche pas au fond des générations. Il est là pour s'assurer qu'on continue à maintenir un niveau d'endettement qui est acceptable et on s'attelle à créer de la richesse aussi. La position de Québec solidaire diffère. C'est-à-dire qu'on garde l'argent qui est accumulé dans le fond des générations actuellement, les milliards qui sont là, on ne les touche pas.
mais on arrête de verser, parce qu'il y a des versements supplémentaires qu'il faut faire au travers des années, on suspend ça. Les versements, c'est 0 $ dans le fonds de génération. Et l'argent qu'on économise en ne les mettant pas dans le fonds de génération, plus on ne fera pas de coupure dans les impôts, plus l'argent qu'on va récupérer, par exemple, pour la lutte aux paradis fiscaux, etc. Donc, cet argent-là, notre cadre financier est équilibré, là, qu'on a présenté. Donc, avec cet argent-là, on va pouvoir répondre à des projets, notamment à notre projet de pays, notre projet d'indépendance. On est vraiment un parti qui défend le modèle québécois. Nous, on n'embarque pas dans la surenchère de diminution de taxes et d'impôts. On ne veut pas les augmenter non plus, mais on dit qu'il faut qu'on puisse continuer à avoir un certain nombre d'impôts, à peu près comme c'est là, pour être capable de continuer à offrir des services publics de qualité. Je pense que les Québécois veulent une approche économique qui est quand même assez centriste, assez modérée, ce que d'ailleurs la CAQ a offert, plus que le gouvernement Couillard avant lui, d'une certaine façon. Aussi, les électeurs francophones au Québec veulent un premier ministre qui soit nationaliste, même si il y a beaucoup de Québécois qui ne soutiennent pas la souveraineté, ils veulent quand même quelqu'un qui va aller défendre le Québec à Ottawa. Et ça a été un problème pour M. Couillard. Mais ne veulent pas de référendum pour autant. Exactement. Donc, c'est ça le secret de la CAQ. Et le sujet dont on parle en coulisses, c'est celui de la violence ambiante. Des locaux ont été saccagés, des pancartes électorales vandalisées, des élus font régulièrement l'objet de menaces. C'est hyper préoccupant. Moi, je dois vous dire là, qu'en 2017, j'avais des fonctions de ministre. Et un jour, il y a quelqu'un qui a écrit sur les réseaux, qui s'en est pris... à mon intégrité, je vais dire ça comme ça, et qui avait dit « Je sais à quelle école vont tes enfants » et il avait indiqué les adresses des écoles de mes enfants. Les électeurs de la province auront l'occasion, le 3 octobre, de se prononcer pour la première fois sur la performance du gouvernement en temps de pandémie, tandis que les élus québécois, eux, seront les premiers au pays à prêter allégeance à un roi, Charles III. Catherine Lafrance, pour CIPAC.